Ok, donc eh ben, nous nous retrouvons après ce petit timelapse et un petit crash du jeu. Pas mal de fails, alors je vous explique rapidement. Alors, premièrement, il faut savoir que ce jeu est assez vieux et que je joue sous Windows 8. Par conséquent, pour éviter, pour corriger certains bugs du jeu, j'ai dû patcher le jeu. Voilà, donc j'ai le jeu, mais j'ai dû le patcher pour qu'il soit compatible avec Windows 8. Sinon, il y avait des bugs, il y avait eu des bugs de signaler. Le problème, c'est que ce patch, apparemment, il a nerfé l'XP, en fait. C'est-à-dire que, en fait, le farming que je vous ai montré au départ est beaucoup moins efficace. Il y a beaucoup moins de mobs qui spawnent, visiblement. Ils sont plus forts et rapportent moins d'XP. Donc, c'est beaucoup plus difficile que le jeu d'origine, visiblement. Et donc j'ai qu'un seul personnage qui est passé niveau 2, c'est Jaira. Voilà, Jaira est la seule personnage à être passé niveau 2. Et les autres, voilà, ça galère à fond. Donc je me suis renseigné, donc en fait les personnages qui sont multiclasses augmentent plus vite de niveau. Ils augmentent de niveau beaucoup plus vite. Alors mon congérateur est mort. Je sais pas si je le gagerai, mais il est vraiment trop faible. De toute façon, j'ai vraiment pas envie en fait de le garder. Donc voilà. Donc résultat, vu que l'XP était nerfé, tout ça, j'utilise un Easter egg. Donc un Easter egg, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'on appelle un œuf de Pâques, qui consiste en fait à démultiplier les scalps de bandits. Donc en fait c'est une fonctionnalité qu'il y a dans le jeu, hein, qui a été cachée par les développeurs. En fait l'idée c'est simple, on prend un scalp. Donc en fait si je prends Imolène là, voilà, Imolène j'ai dit. Voilà, vous voyez qu'il y a une bouteille dans son inventaire, une bouteille de rapidité, enfin une potion de rapidité. Si je vais dans l'inventaire et que je remplace la bouteille par un scalp. Donc ici, voilà, et donc ici... Ah oui d'accord, donc il faut vraiment mettre qu'un seul scalp. Quand je vais mettre un seul scalp en fait ici, donc on va continuer à avoir la bouteille ici. On va cliquer une fois, ça va faire une petite animation au niveau du cercle vert. On va cliquer une deuxième fois, la même animation va se relancer, mais plus longtemps.
Et quand on va revenir dans l'inventaire, voilà, on en a 65 500, un peu plus. Ce qui permet en fait que. Donc là, je cherchais un endroit où les vendre. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui nous les vend 10 fois, enfin qui nous les achète 10 fois plus cher qu'à l'origine. Malheureusement, je ne retrouve pas la taverne où se trouve cette personne. Donc on va simplement les vendre normalement. Vous avez vu que j'ai encore utilisé les musiques de Newground pour l'accélérer. Je ferai certainement d'autres accélérés. Ça rend assez bien sur ce jeu-là. Donc voilà. Ça, c'est une taverne, je crois. Ok, non, en fait, c'est juste une maison ici. C'est fait. Bon. Doit bien y avoir une taverne quelque part. Ah. Ça me dit quelque chose ici. Voilà, donc, et ben. Attendez, j'ai pas pris mon téléphone. Bon, bah, j'appuierai sur F6 de temps en temps pour regarder le timer. Je sais que ça n'avait pas très RP l'aspect du timer de action. Parce que c'est le logiciel que j'utilise à présent. Oh, c'est pas vrai. Bon. Le tavernier, il doit être là. Attends, 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 attends. Je crois que c'est elle qui nous Si le vous voulez vend. bien m'excuser, je dois partir faire des courses. J'irai où j'ai envie, mon pote. Ça vous dérange? Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans ta gueule. Bon. Fais ce que j'estime être juste. Le faire de toute façon, c'est un gringalet. Et où? Il a mis KO Imolène, tout va bien. D'accord, elle est considérée comme morte en fait.
Eh ben, on est reparti. On est reparti. En fait, oui, c'est un bug d'affichage. Elle est morte. Bon, ok. Non, on va essayer de calmer le jeu parce que franchement, voilà, j'en ai marre. C'est beaucoup trop. Je me fais trop poutrer la tronche. Donc lui, autre chose. Donc j'ai bel et bien retrouvé hein, le forgeron qui vend les items. Mais il faut d'abord que j'ai de l'argent parce que ça coûte très très cher l'équipement que je veux. Qui fait partie bah, des meilleurs équipements, mais pas. Mais de toute façon, le meilleur équipement du jeu se trouve à Baldur, donc à la ville tout au nord, d'où le nom, hein, Baldur's Gate, donc les portes de Baldur. Bon, on va juste vendre notre stuff. C'est à moi que vous parlez ? C'est à moi que vous parlez ? Ah, c'est pas possible. Je crois qu'on est obligé de l'affronter. Bon. C'est fait. Moins de casse. Ok, alors Imolène vient là parce qu'en plus c'est elle qui a le scalp. Voilà, on va avoir assez de pognon pour finir le jeu. Hein. Voilà, on a 26 millions. Franchement, voilà. Merci, au revoir. Là, on va pouvoir ressusciter nos membres quand ils sont morts. C'est et puis, on va pouvoir aller se chercher le stuff qu'il nous faut. Donc, désolé pour ceux qui considèrent que c'est de la triche, mais sérieusement, le jeu est vraiment trop difficile. Et surtout trop long en fait. Le truc c'est que ça va être vraiment trop long de le faire en vidéo. Donc voilà, donc à la limite je ferai pas de vidéo. Je le ferai en legit, j'ai envie de dire, sans utiliser l'easter egg qui n'est pas vraiment un cheat hein. C'est une fonction cachée par les développeurs. Donc ça peut être considéré comme du cheat. Mais voilà, au moins pas de soucis d'argent parce que sinon voilà. Oui, bien sûr. Et donc, on va voir tout le stuff dont on a besoin. Alors, tout le stuff, c'est simple. C'est tout ce qu'il y a plus 1 ou plus 2. Ce sont les meilleurs arcs du jeu. On va avoir un arc court plus 1. À mon avis, il doit défoncer à fond. On a la fronde plus 1 également qui peut être intéressant pour Jaira. L'épée longue plus 1 pour notre héros certainement. L'épée courte plus 1. Surtout les flèches de glace, les flèches comme ça là. Les flèches plus 2, ça c'est des trucs de terribles. C'est des trucs terribles. L'armure de cuir plus 1. L'armure plate. Et encore j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout. Ou alors le. Ah voilà. Alors il me faut l'armure complète. L'armure plate complète pour notre héros. L'armure de l'ombre pour Imolène. Et il y a des trucs, franchement, je sais pas si ça vaut le coup, mais c'est violent. Hein.
Au moins ces deux trucs-là déjà pour commencer. Donc on en a déjà pour 20 000, hein, 20 000 pièces d'or. On va s'acheter de toute façon des armures plates. L'armure de cuir, peut-être pour quelqu'un, je sais pas qui. Il y a certainement quelqu'un qui peut pas porter d'armure, donc on va prendre ça. Et au niveau des armes, on va prendre l'épée courte, l'épée longue plus 1. L'arc court plus 1, ça peut être sympa pour une molène certainement. L'arc long composé, il est assez cheaté aussi. Allez, on va acheter tout ça. Ça, on peut le vendre. Ok, donc déjà, on va pouvoir s'équiper un petit peu mieux. Pourquoi j'ai pas les armures? Bon, je sais pas, j'ai pas eu les armures, je sais pas pourquoi. Donc pour une moyenne. Hop. Voilà, ça. Attendez que je vérifie juste. Donc le tac 0 plus 1, dégâts plus 1, poids, facteur de vitesse 5. Et l'autre. Ouais, dégâts à neutre et puis facteur de vitesse. Ok. Donc il est plus rapide et plus efficace. L'arc long composé, par contre, il donne quoi lui? Ah oui, dégâts plus 2 en fait. Ouais, mais facteur de vitesse 7, donc il est moins rapide que le court. Tiens, c'est bizarre, je pensais que ce serait l'inverse. Hop, l'épée courte également. Fait chier, pourquoi j'ai pas eu le stuff. Ouais, là, je les ai. Ouais, bah là je les ai. Oh, un bug certainement. Alors voilà, alors là je suis passé à 4 en. Voilà, lui il va passer à 2. Lui il va pouvoir porter des armures plates. Bon, allez, hop. Elle, ça va certainement être le cuir, mais je. Ça. Le truc de l'ombre là, c'est pour Molène qui va passer à 0 en classe d'armure. Jaira, on va voir ce qu'on peut lui acheter. On va voir ça. Alors, déjà pour commencer, armure plate pour tout le monde. Alors attendez, on va juste vérifier. Alors lui, il peut avoir une armure plate, donc on va lui acheter une armure plate. Elle peut avoir une armure plate aussi. Faites-toi plaisir. Et elle, alors elle peut pas avoir l'arbalète. Par contre, je crois qu'elle peut avoir la fronde plus 1. Ouais, la fronde plus 1. Acheter, et on va donc lui acheter les billes en conséquence. Voilà, et Imolène. J'aurais bien envie de lui acheter les flèches spéciaux. Les flèches plus 2, je suis sûr qu'elles sont. Ah non, il y a les flèches mordantes, elles sont très puissantes celles-là, je crois. Il me semble. Sinon, ce sont des flèches normaux. Il y a les flèches de glace, les flèches mordantes. Ok. On va prendre les flèches mordantes. Pour Imolène, je suis sûr que ça.
Ok, alors. Ok, là on a encore un arc long composé, ça on peut le vendre. Toi, armure plate, hop, ici. Armure plate, ici. Voilà, à la fronde. Et on va lui reprendre une arme contendante quand même au Je cas veux où. bien tout ce que vous voulez, pour un tout petit peu plus que les autres. Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Le bâton plus 1, je crois que c'est ce qui lui irait le mieux. On va prendre ça. On va prendre le bâton plus 1. On va acheter quelques flèches supplémentaires pour Imolène. Voilà, déjà avec ça, on a de quoi faire. Et les billes manquantes pour Jaira. Lui, il faut voir ce qu'on peut lui acheter. Est-ce qu'on peut avoir d'autres armures plates? Non, elles sont uniques, hein, c'est les armures. L'armure de cuir, résultat, elle sert à rien. Bah écoutez. Notre héros, on va lui mettre des. J'ai envie de tester les flèches plus 2, mais je suis pas sûr du tout. On va juste en acheter une pour, enfin, voilà, pour vérifier juste l'état des trucs. Alors, les flèches plus. D'accord, oui, c'est lui qui les a. Ok. Poids 0, dégâts non indiqués. Non, c'est juste qu'elles sont plus précises, visiblement, d'après la description. Et sinon, les flèches mordantes, elles. D'accord, il y a du poison. Donc, elles sont empoisonnées. Donc elles ont un potentiel de poison en fait, ces flèches-là. Ce sont des flèches empoisonnées. Donc ça vaut le coup. Ça vaut plus le coup que les flèches normaux. Donc on va vendre ça, on va vendre ça. Ça aussi, pour faire un peu de place parce que. Ok. Donc j'ai envie de prendre des flèches aussi pour ça. Toi, tu vas vendre les flèches qu'on vient d'acheter. Elles servent à rien, celles-là. Donc les flèches plus 2, assez inutiles. Par contre, les flèches mordantes. Par contre, il n'y avait pas des flèches de feu. Il me semble qu'il y avait des flèches de feu, mais j'ai un doute. Ah oui, en fait, je pouvais cliquer comme ça. Ok, bon, j'avais un doute. Non, il y a les arbalètes aussi. Les arbalètes, ça c'est balèze. Surtout qu'il y en a une qui vaut vraiment le coup, je pense. Au prix qu'elle coûte, à mon avis, elle doit valoir le coup, hein. Dégâts plus 1. Les druides, l'éclair, les mages. Non utilisables par les druides, l'éclair, les mages et les voleurs. Ok. Je sais pas si elle vaut vraiment le coup. Parce que de toute façon, les carreaux, faudra les acheter de toute façon. Non, bon, on va acheter les flèches mordantes de toute façon. On va en acheter 6 comme ça. Ouais. Sauf que ça va aller à notre héros, pas.
Bon. Bon, déjà, on va avoir un équipement un peu plus décent. Il y en a qui n'ont pas de casque, mais il y en a, je crois, qui peuvent pas tenir de casque de toute façon. Toi, hop, ça ici, ça à terre. Le stock de flèches, on va le confier à Imolène, mais ce sont des flèches qui sont, voilà, qui sont pas. Ah ouais, c'est vrai que lui aussi il peut avoir un arc. Hein, on l'a mis à l'arc, mais on s'en servirait également comme tank. Hein. Ouais, allez. Bon. On va déjà voir si on est un peu plus efficace comme ça. Alors déjà au niveau des points de vie, non, je suis toujours à 14, puis à 11, 13, elle est à 20, et elle est à 8. Allez, qu'à 8, Imolène. Oui, bien sûr. Faut vraiment augmenter le niveau parce que sinon, on s'en sortira jamais. De toute façon, c'est là que je vais aller. Je vais aller péter la gueule de l'autre enfoiré. Quelle heure est-il? Enfin, ok, on est une demi-heure. On a le temps. On va re-sauvegarder avec notre nouveau stuff et on va voir de quoi il est capable. Je me fais poutrer la tronche, je pète un câble. Votre fin est proche, mon pari. Les yeux, il faut viser les yeux. Là-haut. Ok, c'est efficace, on est d'accord. D'accord, ok, c'est une taverne à bas prix. Bon, bah on se tire de là, il n'y avait rien en fait ici. Il y a juste un mec à dégommer, puis c'est tout. Bon, bah c'est tout. Et peut-être que ce coup-ci dans la mine, on va peut-être mieux s'en sortir. Allez. Bon, on va peut-être voir pour le ressusciter quand même lui. De toute façon, on va le changer contre le personnage qui reste. Ouais, mais il a pas de stuff et puis on n'a pas de robe de mage. Non, ce qu'il nous faudrait, ce sera un dernier guerrier parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre qui vaut le coup. Ah oui, il y a le temple aussi. Ah, j'ai découvert d'autres choses, tiens. En sortant par là, je viens de découvrir deux autres trucs. Ok, d'accord. Mine de Nazquel, directement. Non, j'aurais pas dû. Les ennemis vous attaquent. Ok, c'est des squelettes. Alors, tu s'est barré? J'y
crois pas, Lot il s'est barré parce qu'on n'a pas réagi assez vite. Oui, c'est vrai que Lot. Ouais, non. Hop. C'est vrai que Lot, comment il l'avait gueulé parce qu'on n'allait pas assez vite vers. Vers sa compagne. Non, c'est pas ça que je voulais charger. Je voulais charger l'autosave. Donc on va voir pour l'aider quand même. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Oh ça va, c'est une petite attaque, on devrait s'en sortir. Bon, faut absolument que Mince, on le garde parce qu'il est. Il est très précieux, donc on va le. On va aller faire ça, de toute façon, ça peut peut-être nous aider à augmenter le niveau, arrivé à un moment. Oh putain, il s'est retourné contre nous. Bon bah il s'est retourné contre nous. Parce que j'ai pas réagi assez vite au niveau de sa quête. Bon bah tant pis. Bon, ça commence à être la misère au niveau du groupe là. Il y a le bard à récupérer quelque part, mais à 4 c'est impossible de faire la mine, c'est impossible. Ça va, on a compris. Ouais, non, mais si c'est pour me répéter ça toutes les deux minutes, on va attendre les autres. Ah, d'accord, ok. Bon, fait chier, on a perdu un des meilleurs personnages du jeu. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Tâche facile. Et Rome veille sur vous conformément à votre demande. Bon. Et puis lui gueule aussi. Tâche facile. Oui, bon, on va essayer d'aller se reposer quand même. Et puis je pense qu'on va essayer d'aller récupérer le bard. Je sais qu'il y a un bard à récupérer quelque part.
Et je crois que le barde, il nous demande rien vraiment de spécial en échange. Bah écoutez, bah pour faire ça, de toute façon, si c'est pour aller récupérer le barde, autant recharger. Ah ouais, non, ouais. On va y arriver, hein. On va y arriver. Mais il me semble que c'était lui, le barde. Bon, là de toute façon je crois que j'ai pas tué le mec, résultat. Ouais non. Bon. On va se le refaire. Ouais, donc on n'aura pas beaucoup avancé hein, cet épisode-là. Pourquoi faites-vous cela? Je ne vous dis rien. Ouais, bon allez, vas-y. Vas-y. Cogne. Bon, le barde, il est où? Il y a un barde, je le sais. Les choses bizarres se préparent depuis un moment. Ok, il nous achète une épée courte. J'ai un doute. Toujours son épée courte. Ok, lui il a perdu une épée. Bon. Bon, c'était pas lui visiblement, hein. On va bien finir par le retrouver, ce barde.
Ok, c'est pas lui. Laissez-moi, ou le garde s'occupera de vous. Non. Si vous voulez bien m'excuser, je dois partir faire des courses. Bon. Parce qu'il... Ah oui, il serait pas dans une chambre. Ou un truc dans le genre. Il me semble qu'il est dans une chambre ou une... ou un truc dans le genre, il me semble. Si c'est le cas ici, ça me dit rien. Ça remonte à loin, hein, le... Je vous le dis, je... Et ce personnage-là, j'hésite à le prendre souvent. Je peux pas y parler visiblement. Ici non plus. Bon. Alors là. Bah c'est qu'il est pas ici. À l'occasion, vous savez très bien de qui je veux parler, puis vous me dites « Mais si, il était là !» Bon. Une tâche facile. Vous avez quelque chose en tête ? Non, c'est toi. Non, bah tant pis, hein, écoutez... Bon, on va essayer d'aller jusqu'à la scale. C'est fait. Bon, bah voilà. Bah oui, en effet, c'est fait. Bon, on va se la tenter à 4 quand même, parce que bon, mais je vous dis, à 4 je le sens très mal. Je vais voir où est-ce qu'il y a des personnages, mais sinon on va se tenter la mine. De toute façon, les autres personnages ne peuvent pas se barrer. Ces 3 personnages là nous sont fidèles et voilà quoi. On n'a pas grand chose à craindre pour les autres. C'est le problème, c'est qu'on va manquer de personnages entre guillemets fidèles. Je sais que le personnage qu'on va récupérer au bout de la mine n'a pas vraiment d'objectif, il me semble. Il est fidèle. C'est Xan ou Xon ou Xan. Ça, c'est un truc dans le genre. C'est un nom en 3 lettres. Il me semble que c'est Xan. Il y a d'ailleurs encore un easter egg. Si on appelle notre héros Xan là, on peut utiliser son épée. Et il paraît qu'il me semble de mémoire que c'est une épée assez balèze.
Par contre, pareil, ce personnage-là, donc Zan, là en question, en fait, soit on le tue, soit on le récupère, en fait. Mais je pense plutôt à le récupérer, évidemment. Après, je me souviens pas d'autres personnages qui pourraient nous rejoindre. De tête, là, comme ça, il me semble pas. Bon, bah on a un mort, il nous manque une place, et puis ben on est quatre quoi. On n'est que quatre pour la mine. Quasiment faisable quoi. Et genre si j'aurais pris un personnage multiclassé en fait. Avec un personnage multiclassé, j'aurais augmenté de niveau plus vite. Bon, et ben on est reparti. À 4, franchement, je le sens pas. Ok, il y en a deux qui se sont plantés déjà. La moitié du groupe perdu déjà. Cool. Eh oh, où tu vas toi? Ah oui, c'est vrai que elle maintenant. Ah oui, c'est vrai que étant voleuse passif, elle va rester près du héros. C'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais oui, elle va protéger le héros quoi qu'il arrive. C'est une caractéristique des voleurs sur la défensive. C'est qu'elle va rester près de notre héros. Si elle n'était pas en défensive, elle le ferait pas. Voilà, donc c'était cette armurerie-là hein, où j'ai pris les armes où je vous avais expliqué à l'épisode précédent. On arrive à l'étage là où on était bloqué le dernier coup. On a un meilleur stuff, mais on est moins nombreux. Est-ce que ça suffira? On va bien voir. Juste un truc, c'est que je veux tout le monde. Ouais, enfin, je veux le maximum de personnes. Voilà, à distance. Ouais, pour toi, évidemment. Piège. Et galère. Ah, puis bien sûr. Bon. Bon, j'ai pu me. Bah, j'ai de la chance. Bon, ça fera l'affaire. Ouais, je quitte. Je tente qui tout double. Ok, nickel. Au moins j'ai mes pouvoirs de soins. Et je m'approche de la lave.
s'en est pris un petit peu plein la tronche, sans raison. Et pareil, pas de potion de soin. On aurait dû faire le plein de potions de soin. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais vu qu'on a plus de problème d'argent, en fait, on pourrait faire des soins. Et vous voyez que même avec ça, on galère. Quand même con. Oui, donc repos. Bon. Oui. Passons aux choses sérieuses maintenant. Tout va bien. Bon, ça n'avait pas beaucoup d'expérience à chaque fois, mais... Bon, je vais peut-être réussir à récupérer mes pouvoirs, non ? Ok, il y a pas mal encore de kobold, mais bon. Non, c'est bon. On va enfin pouvoir y aller. Petite sauvegarde. On va sauvegarder régulièrement. À chaque fois qu'on sera à peu près bien, en fait. Attendez, parce qu'il me semble qu'ici... Ouais, bah évidemment, elle est gênée. Ouais, bon. Oh, mais c'est pas possible, l'autre. Oh. Si vous mourrez, je vous jure, vous n'en connaîtrez pas la fin. On le ressuscitera. Tant qu'on a encore des hommes, on va... Ok. On va porter ça avec. Ouais, allez. C'est bien juste, mais ça le fait. Ah ouais, bah c'était le seul qui était pas à distance. Non, ici c'est pas bon. Par là, je crois qu'il y a les araignées. Par là, il y a le second pont. Ça. Bon allez.
je coupe et je reviens. Attendez, regardez. Bah, c'est tombé, on a 53 minutes. Alors, je vous explique ce que je vais faire. Je vais revenir à la ville, aller me chercher un maximum de potions de soins et revenir. Voilà. Bah, sur ce, bah, je vous dis rendez-vous à l'épisode suivant.